Vous êtes qui, vous ? Wouch ! Wouch ! Wouch ! Wouch ! Wouch ! Wouch ! Donc, wouch à toi, cher spectateur, et bienvenue pour ce troisième journal de bord. Jour 3, donc à nouveau trois films, encore une fois très éclectiques. Oui. On est sur du film de guerre, du film de SF et du film dramatique gore, dirons-nous. Du pseudo-trash. Ouais, voilà. Du pseudo-trash. Mais il n'y a pas eu de purge, par exemple, contrairement à hier. Donc là, c'était plutôt là, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Ouais. Et on a pu rencontrer Mister Dominique Pinon. Au détour d'un couloir. Détour d'un couloir, oui. Parce qu'il a eu une petite dédicace. Ouais, j'étais content. Donc, premier film. Warsaw 44. 44. Ou Miasto 44. Ou Varsovie, ou Varsovie 44. Voilà. Enfin, mais ils mettent Miasto sur toutes les affiches. Oui, c'est, il n'y a aucune affiche où c'est marqué Warsaw 44. Ah là là. C'est en polonais. Titre n'existe pas. C'est en polonais. Titre n'existe pas. Sauf au pays de Michael Bay. Ouais. L'histoire... Allez, qu'est-ce que c'est, histoire Fabien ? Bah, on est, du coup, on est en 1944, on est à Varsovie et on va suivre un groupe de jeunes qui va de résistants, qui vont se dire qu'ils vont peut-être passer la dernière journée de leur vie parce que bah, forcément c'est encore la guerre et ils attendent toujours les alliés pour l'aide, on va dire entre guillemets. Et du coup, on va suivre tout ce groupe-là. Ils vont apprendre à aimer, ils vont apprendre à haïr, ils vont apprendre à se sauver, à se battre. Et en fait, ils jouent un peu à la guerre, mais ils vont être confrontés réellement à la guerre, en fait, au final. En gros, c'est l'insurrection de Varsovie vue par des jeunes. C'est ça. C'est ça. Pour faire globalement et court, parce que sinon, on va partir sur des... Oui, c'est clair, c'est concis. Bon, très bien. Alors, Mathieu, qu'en as-tu pensé ? Alors, moi j'ai été sceptique en y allant et j'ai été très 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 agréablement surpris. Pour moi, c'était un très très bon film du festival. Déjà, c'est aussi le film qui a le plus gros budget, à mon avis, du festival. Vu la qualité, en tout cas, des décors et des costumes qui ont été bien travaillés et pas mal de scènes de groupe. Donc, oui. Qui indique qu'il y avait quand même du budget. Il y avait, en même temps, un polonais ça coûte pas cher, mais quand même, je pense qu'il y avait du bon travail. C'est le premier film du réalisateur qui s'appelle Yann Komasa. Ouais. Et donc, pour moi, un très très bon film. Narration presque hollywoodienne dans le côté épique, mais pas du tout hollywoodienne au niveau des personnages, au niveau des situations aussi. Et surtout, un truc qui m'a fait un peu plaisir, mais c'est un peu pervers, c'est le fait qu'on accepte les morts d'enfants dans ce film. Elles sont parfois montrées brutes, parfois c'est juste évoqué, mais on voit le cadavre. Donc, le fait de ne pas se limiter comme ça, pas faire du PG-13, ça faisait du bien. C'est réaliste. Et moi, j'aime bien ce genre de film qui n'est pas aseptisé, donc ça fait du bien. Fabien. Moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je l'ai pas mis forcément une note extraordinaire, mais c'est un bon film. J'ai adoré la mise en scène, qui est assez extraordinaire, et techniquement, il y a du travail. Pour un premier film, c'est clair. Oui. Notamment les séquences de slow-mo en travelling, où il y a toute une émergence de poétisme dans ces plans-là, où vraiment c'est un instant dans la guerre qui est harmonieux, pas forcément joyeux. Bon, il y a des scènes d'amour à ce moment-là, mais il y a aussi des scènes de bataille. Mm-hmm. Des fois, ça, c'était, j'en parlais avec Mathieu après la séance, ça relevait un peu plus d'un exercice de style, plus qu'appuyer vraiment le film, parce que je me suis dit pourquoi ils n'ont pas pris toutes les séquences où le garçon ressent de l'amour pour quelqu'un. C'est deux fois, dans le film, deux fois c'est comme ça, mais une fois c'est une bataille. Pourquoi à ce moment-là c'est une bataille il aurait dû garder en fait toutes les séquences émotionnelles de ce niveau-là. Donc des fois ça plonge un peu du côté de l'effet de style, mais ça marche quand même très bien. C'est hyper bien léché, la photo est très bien, les comédiens jouent bien, sans non plus être extraordinaire, mais ça joue bien. Voilà, non, j'ai eu un bon retour sur ce film-là, et il m'avait titillé quand j'avais vu le bande-annonce, et je suis pas déçu. Et puis parler de Varsovie et des Polonais dans ce contexte-là de la Deuxième Guerre mondiale, j'en ai pas vu beaucoup de ce film de cette trempe-là. Qui se prennent ce point de vue et qui osent le montrer comme ça, j'en vois aucun en fait. C'était intéressant, donc j'ai aimé ce film, ouais.
C'est intéressant. Je suis pas unanime sur le film, j'ai mis la même note que toi, mais moi j'ai plus de réserves dans le sens où le film est vraiment intéressant techniquement, il n'y a rien à redire, vous avez déjà tout dit les gars. C'est plus au niveau du scénario que ça me dérange parce que je trouve que les points de vue sont particuliers. Je déteste le personnage du mec, je le trouve pas attachant, pas intéressant. Il est supposé représenter un espèce de grand dilemme moral à cette période-là, c'est-à-dire que je crois à aucun moment on le voit buter quelqu'un. Réellement, à aucun moment il prend une arme et on le voit tuer quelqu'un à part à la toute fin, je crois. Et encore, j'ai un doute. Je crois qu'il bute un mec. Au tout début, quand il fait son truc, son instant héroïque là où il lui dit calme-toi, arrête de faire le héros. Mais il en bute aucun. Il en bute aucun. Qu'il bute une personne et c'est ultra symbolique. Mais sinon, le reste du temps, j'ai détesté vraiment la manière dont les histoires d'amour sont abordées. C'est-à-dire que moi, je trouve l'histoire avec la blonde, je sais plus comment elle s'appelle, Allah, très intéressante, mais l'autre, elle a rien à voir avec l'histoire et je trouve elle est, ça rendait pas le personnage du tout attachant. J'ai plus été touché par Allah que par Stéphane. Voilà, je trouve les points de vue très très mal équilibrés. Après, effets spéciaux hallucinants, mise en scène ultra immersive, le contexte est très très bien respecté, le rythme un petit peu bâtard marche. Et je pense, pour revenir sur les acteurs, que l'acteur qui joue Stéphane est aussi pas très très bon, ce qui fait qu'en plus, moi j'ai trouvé que ça rendait l'immersion du personnage vraiment pas du tout crédible. Il est assez particulier à aborder en fait, c'est vrai que on n'arrive pas trop à se focaliser sur un seul personnage, parce que déjà Stéphane on a un peu plus de mal avec lui, je suis assez d'accord aussi, mais c'est un peu fouillis, on sait plus qui trop suivre en fait. Et puis après c'est l'esprit du film aussi je pense, parce que ça envoie de tous les côtés, on en perd de tous les côtés, on suit un peu n'importe qui en fait dans l'instant présent où se déroule la séquence, et du coup on s'attache pas forcément à un personnage. Je me suis dit, tu sais, au moment où il fait sa petite mise en scène théâtrale, où il dit au revoir à sa mère et à son frère, je me suis dit, au moment où il allait partir et qu'on allait savoir qu'il allait partir à la guerre, là je me suis dit, ah, on va peut-être pouvoir plus s'intéresser à lui, avoir plus d'émotions, et au final ça se perd parce qu'on reste pas avec lui au final. Mais en fait, ça développe pas assez cette idée d'innocence, malheureusement, et ça pêche un petit peu là-dedans. Bah moi, je sais pas trop. Moi, j'ai beaucoup apprécié le côté, justement, où le dilemme, c'est pas est-ce qu'il va faire tel choix ou tel choix, c'est simplement, il a déjà fait son choix d'entrer dans la résistance, mais entre son envie de se battre et la réalité, c'est-à-dire le combat lui-même, là, il se retrouve face au simple fait qu'il ne sait pas tuer, c'est pas naturel chez lui. Dans les armoires, parce donc, ah, mais moi, moi j'apprécie. Même ça, tu vois, je trouve que ça m'a abordé, mais voilà, on pourrait en parler des heures, mais je trouve qu'en fait, qu'on reste vraiment sur l'idée que l'idée très romantique de la guerre, ce qui est intéressante, mais cette dualité romantique ne renforce pas cet aspect qui montre que tu perds ton innocence au travers de la guerre. C'est-à-dire que c'est ça, cette séquence-là, quand on voit danser au début, c'est cette perte d'innocence qu'il va avoir tout au long de la guerre, et je trouve que c'est pas assez évoqué de manière intelligente au milieu du film, et voilà, il y a ces histoires d'amour qui se battent et qui ont aucun rapport. Enfin voilà, il y en a une, elle a plus une place de sœur, mais il couche avec elle, et l'autre, il couche pas avec elle, et il est amoureux d'elle. Enfin voilà, ouais, c'est vrai. C'est foutraque. Voilà. Mais dans tous les cas, on est quand même assez objectif. Oui, on trouve qu'il est bien. Positif. Le deuxième, the best. Le Messi pour Valentin. Voilà. Turbo Kid de François. Alors de François Simard et de Anouk et Johan Carl Wiesel. Ouais. Trois Canadiens. C'est leur premier film en plus. L'histoire, c'est celle d'un jeune garçon. Premier long métrage. C'est celle d'un jeune garçon qui, dans un futur post-apocalyptique qui se passe en 1997, essaye de survivre. Il est fan de comic book et d'un personnage qui se nomme Turbo Rider. Et le monde est dirigé par un mec qui s'appelle Zeus. Enfin, Zeus. Zeus. Voilà, c'est joué par Michael Ironside. Ouais. Qui contrôle une denrée importante qui est l'eau. Voilà. Autant ne pas en dire plus parce que vraiment l'univers est super dense et très intéressant. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en révéler plus pour savourer ce film. Fabien. Bon, Turbo Kid. Déjà culte. Non, on en parlait avec Valentin hier aussi. On a été déjà, on s'attendait. Le monde, la salle était blindée. Ça, c'était complet. Et pour moi, c'est l'effet un petit peu Fury, mais c'était voulu. Et qu'est-ce que c'est bon de voir ce genre de film. Très bon film, j'ai passé un super moment. C'est gore à souhait, c'est décalé à souhait. Il y a des références partout. J'ai adoré le petit côté Mad Max version low cost avec les vélos. Avec les BMX, ouais. Un Mad Max sur BMX. Non. Très très bon film. Quoi dire, c'est un gros délire comme dans Kung Fury. Donc si vous avez Kung Fury, moi je pense que vous allez aimer ça. Même si c'est assez différent sur plusieurs points.
Oui, mais non, non, non. Y a plus de budget déjà, ça dure beaucoup plus longtemps, sérieux. C'est plus sérieux, mais il y a un réel apport scénaristique et dramatique, et non, ça marche très bien, et puis y a le casting est parfait. Mm. Je trouve que c'est tout le long du film, donc le personnage principal. Monroe Chambers, ouais. Le personnage n'a pas de nom, en fait. Il y a un petit côté Nick Jonas, des Jonas Brothers. Oui, un peu, c'est vrai. Je ne connais pas, c'est voilà. Ça. Mais du coup, non, tout le casting marche très bien, même Apple, qui joue donc la fille mystère, on va dire. Oui, il en reste Laurence Leboeuf. Voilà, qui est parfait. Non, tout le casting est très bon. Quoi dire de plus, j'ai adoré le trip et franchement, c'est à voir. C'est à voir et à revoir. Turbo Kid, voilà, j'en dis pas plus. Mathieu. Bon, ben, pour résumer en une seule phrase, c'est le Club Dorothée mixé avec Bad Taste. Dans les deux cas. Ah bah si. Quoi ? Ah bah si. Quoi ? Pourquoi Club Dorothée ? Le Club Dorothée. Mais d'où le Club Dorothée, il décapite des gens et ils sont fans de Turbo Rider. Mais oui. Je ferai remarquer que dans le Club Dorothée, il y avait le canot survivant au départ. Ou ah oui, d'accord. Dans la sélection des programmes. On va parler du vrai Club Dorothée. Mais aussi ouais. Le Club Dorothée, avec justement cette esthétique très colorée, très plastique. Le plastique est partout dans ce film. Le côté BMX aussi. Pour moi, c'était vraiment l'esthétique du Club Dorothée avec un traitement postmoderne et je trouvais ça génial. D'accord. Voilà. Vous t'as aimé ? Oui ! Ah bon, bah c'est mieux. C'est t'as aimé. Là, on est d'accord. Pour ces trois films, je pense qu'on est d'accord. Donc, aussi, Turbo Kid, très très bon film. Un truc à mettre sur ma liste, un truc à acheter. Parce que ça, oui, je me le revois chez moi. Et avec vous si vous voulez revenir. Évidemment. Et avec vous aussi si vous voulez. Avec vous. Avec vous. Valentin ? Oui. C'est putain de bon ce film. Ah la vache. Oh c'est dingue. Non mais j'en attendais tellement de ce film. J'ai pas été déçu une seule seconde. C'est un truc de dingue. Il est tellement parfait. Que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau des acteurs, que ce soit au niveau de l'univers qui est ultra dense. Il est ultra dense l'univers. Il est super bien construit. Que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'origine des personnages. Enfin tout est réussi dans ce film. Il y a des métaphores qui sont très très bien abordées. Il y a des manières de faire qui sont très intelligentes. Moi j'adore le côté l'être humain arrive à survivre en se butant et en s'extirpant l'eau qu'il a dans son propre corps. Enfin, je trouve ça, spoiler. Je trouve ça génial quoi. Je trouve ça extraordinaire. Il y a une finesse et une intelligence qui est construite là-dedans. Puis je disais, rien que le pitch de base, un futur post-apocalyptique en 1997, c'est à mourir de rire. Non, enfin oui, tout est bien foutu dans ce film. Il y a des effets qui sont faits à l'ancienne. Enfin, les effets gore sont vraiment old school. On sent qu'il y a du latex, il y a du cadavre qui existe vraiment sur le tournage. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Et ouais, Michael Ironside est parfait. Monroe Chambers est exceptionnel. Laurence Leboeuf, génial. Enfin, tous les acteurs sont parfaits. Non, c'est un putain de bon trip, quoi. C'est extraordinaire. C'est un film culte, ça va devenir culte. Ah oui, c'est déjà culte. Hein. C'est déjà. Bon, ça moi, c'est déjà, c'est un peu la phrase à la con que je déteste, ça. Ce film est déjà culte, mais ça va devenir culte. C'est clair et net, ça va devenir culte. C'est une tuerie. C'est exceptionnel de voir des films comme ça. J'adore. Ah, j'adore. À l'église de Turbo Kid, voici le pape. Ah, voici le pape. Il est génial ce film. Il est extraordinaire. Allez, le dernier. Ouais. Voilà, on redescend d'un cran. Ouais. German Angst. Donc, qui est une triple réalisation. Voilà, c'est trois courts moyens métrages, on va dire, par trois réalisateurs différents. Donc, il y a deux réalisateurs et une réalisatrice, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, Kosaski, il y a Marshall et Butgereist. Donc, c'est allemand tous les trois. Ah, ça se sent. Je veux dire les trois phrases où ça résume bien, je trouve. Bah, non, la bande-annonce le résumait bien, je trouve. Trois histoires oui. Violentes de mort, de sexe et d'amour. Dans Berlin. Qui mélange l'histoire, qui mélange. Bon allez, si on devait faire simple, la première c'est l'histoire d'une jeune fille qui aime bien émasculer des cochons d'Inde et qui va émasculer autre chose. Ouais. La deuxième c'est l'histoire d'un groupe de deux muets qui vont se faire harceler par un groupe de nazis. Ouais. Et la troisième c'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par une boîte. Partouzarde quasiment. Bah non, pas vraiment, mais s'il partouze pas, non, c'est plus une boîte qui exauce les vœux charnels. Les fantasmes charnels, ouais, disons-nous. Voilà. Donc trois histoires radicalement différentes, ça va être compliqué d'aborder les trois histoires. Messieurs, au niveau du style global des films, au niveau des trois styles, qu'est-ce que vous pensez dans la globalité du film ? C'est plus ça en fait. C'est-à-dire, est-ce que ça s'équilibre bien ? Est-ce que c'est... Non.
Voilà. Merci, bonne soirée, c'est fini. Très clairement, il y a une montée en qualité, parce que la dernière histoire est la meilleure. La première est, à mon avis, la moins bonne, parce qu'elle ne va pas très très loin. C'est un exercice de style. Voilà. Ouais. Et là, c'était prévu comme le film choc du festival. Hein. C'est, ouais, c'est marqué là. C'est ce qu'on avait dit. Ouais. Mais. C'est loin d'être choc. C'est oui, controverse. Bah, j'utiliserai plutôt le mot controverse voilà. que choc. Très parce bon que choc, c'est dans le sens où on va ressortir, on va avoir des images qui vont nous marquer. Mmh. Étrangement, moi, je ressors, je vois pas d'image en me disant waouh, si. J'ai adoré cette séquence où la fille émascule le mec. Non, il y en a bah, une, non, le couchant d'Inde. Moi, franchement, ma technique, c'est le couchant d'Inde. Et sa respiration de. Non, je déconne, c'est pas vrai, Mathieu. Je pensais que tu allais penser, c'est Dark Cobaye. Non, vas-y, finis, Mathieu, vas-y. Ouais, bon, donc, moi. Là, non, je vais rester sur le côté controverse, t'as tout à fait raison, puisque. Bon, le premier film, le premier segment, n'apporte pas de grands questionnements. Le second a l'intelligence, justement, d'aborder. Des points de vue. Le point de vue de la culpabilité. Voilà points de vue qui sont par rapport hétérodoxes. À la guerre mondiale, non, mais c'est très intelligent, donc, je trouve. Là, ça donne un sens. Le troisième était le mieux réalisé, au niveau technique, au niveau narration aussi. Et en même temps, c'est le plus cohérent des trois, je trouvais. Et. Moi, il me parlait assez, mais sinon, dans l'ensemble, le film. Non, il. Vu et fini. Tu restes sur ta fin quand même, ça se sent. Voilà. Ouais. Allez, Fabien. Oui, assez moyen. J'étais assez déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus choc, vraiment. C'est vrai que je m'attendais à avoir plus d'images qui marquent. Et au final, non, ça. L'intention est là, on va dire, sur les trois courts-métrages. Mon préféré, moi, ça reste le deuxième. Parce que j'ai trouvé assez original, on va dire, l'idée de base, même si c'est pas forcément le plus abouti non plus. En fait, je les trouve assez moyens tous les trois au final quand même, mais le deuxième est pour moi le meilleur à retenir. Que dire plus, ça reste assez expérimental, en tout cas pour le premier. Le deuxième est assez intelligent dans sa vision des choses, et le troisième... se perd en fait dans son explication et dans son aboutissement, donc du coup voilà, j'ai trouvé ça moyen, je m'attendais à un peu mieux et j'ai été un peu déçu de ces histoires in Berlin. Voilà, donc je n'en dirai pas plus parce que sinon on va oublier de 3 heures pour Valentin. Et ben si ça c'est choc sans déconner qu'est-ce qu'est Serbian Film à côté, hein, putain. Non mais c'est pas choc pour un franc. Sans déconner, il y a très peu d'effets gore. Au final, j'étais surpris de voir un film qui était, au contraire, très politiquement correct du point de vue du gore. J'entends, qui est controverse dans ses sujets, mais qui au niveau du gore est très politiquement correct. Enfin putain, à part un tranchage de gore, j'ai encore dans Turbo Kid, c'était plus trash quoi. Ouais. C'est dingue, mais. Et puis même dans Warsaw 44. Même dans Warsaw 44. Quand il assassine la mère et le petit, c'est beaucoup plus gore que dans. Mais non, très clairement, un premier segment qui est très foutraque au niveau de la narration, on a énormément de mal à se repérer au niveau de la temporalité et qui est très moche. Dans le sens où il y a un effet de style absolument dégueulasse qui consiste à mettre un filtre Instagram où il n'y a qu'une partie de l'image qui est nette. Ouais. C'est dégueulasse et c'est pas du tout élégant. Un deuxième qui est putain d'équilibré, dans le sens où il a une vraie narration, il a un vrai propos et il a des styles au niveau de la mise en scène, entre un style, le style Seconde Guerre mondiale avec le craquage de pellicule et un vrai style, on va dire, ultra réaliste dans les séquences où on est dans l'usine. Moi je trouve le deuxième très intelligent et le troisième, tu l'as dit Mathieu, est très beau, mais je le trouve très vide de sens. Dans le sens où il aurait pu être beaucoup plus poussé au niveau de sa place de l'être humain face à ses désirs et face à ses fantasmes. Et le fait que si nos fantasmes sont réalisés, on ne peut que les sentir et pas forcément les voir, parce que si on les voit, ça ne devient plus des fantasmes. Mm-hmm. Et ça se perd au bout d'un moment. Ça part en vrille, ça part n'importe où. L'autodestruction du fantasme qui se coupe la chatte en plus. C'est horrible. Qui vérifie si elle a eu ses règles. Bah alors là je peux te dire qu'elle les a eues, mais c'était des règles fatales. On va dire alors. C'est la scène peut-être la plus gore des trois en fait. Ouais. C'est peut-être celle-là. Je trouve que Lars von Trier a fait plus trash avec Antéchrist dans ce genre-là. Mais voilà. Mais non, c'est loin d'être subversif, c'est controverse dans ces sujets, mais c'est loin d'être choc. Et ça, c'est très mal équilibré. Ça tenait pas en la ligne parce que même à la fin de chaque film, t'avais pas forcément envie d'en voir un nouveau.
Tu voyais les gens essayer de défiler dans la salle partir parce que ça les branchait pas, peut-être parce que ça les intéressait pas. Non, mais c'était, sur, film, c'était surtout parce qu'il était diffusé tard en fait. Il était diffusé tard, mais bon, même. Il y a eu un petit souci qui a donné encore plus de retard. Ouais, mais ça c'est pas trop grave, mais ouais, voilà. Mais il n'y a pas eu un engouement autour de ce film. Ouais. En même temps. Il n'a pas été applaudi en plus. C'est un point à soulever quand même parce que tous les autres films quasiment ont été applaudis à part The Return, mais bon, The Return c'est fait exprès. Mais lui, il n'a pas été applaudi. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est... Je pense en fait que les gens qui étaient venus à cette séance-là pensaient rigoler un bon coup et voir des trucs bien craspec et bien gore. Et malheureusement... Mais il était mal placé en fait. Peut-être dans la journée. Ouais. J'aurais pas inversé avec Warso 44. Moi, j'aurais plutôt inversé avec Turbo Kid. Mais dans la sélection complète. J'aurais mis Turbo Kid en dernier. Dans j'aurais... la sélection complète. Ah, dans la sélection complète. Plus calé autrement. Alors que... Dev Games, c'était beaucoup plus, plus calé. Quoi. Il aurait pu passer comme l'année dernière dans une espèce de journée étrangère. L'année dernière, ils avaient fait ça, ils avaient diffusé, ils avaient fait tous les films étrangers en une seule journée. Mmh. Il aurait pu passer là-dedans. Genre une journée avec Raw Force. Après, Akira ça reste diffusé dans le cadre de l'absurde séance. Ouais. Contrairement à Warsaw 44, où là, on était plus sceptique parce que c'est vrai que j'aurais pas forcément. Du Polanski et du Michael Bay dans. Ouais. J'aurais pas forcément envie dans une sélection d'un festival d'absurde, mais pourquoi pas. Ouais, non. Bon, voilà. Donc, quel film vous retenez, messieurs? Je pense qu'on est tous unanimes. Turbo Kid. Mais pas loin derrière, pour moi, c'est aussi Warsaw 44. Mais pas loin. Oui, ben moi aussi, tu vois. Après, moi, j'ai un que c'était le moins populaire de la journée. Ça. Bon, du coup, demain, on se retrouve demain. Demain. Yep. Alors, pour deux vidéos, on aura Raw Force et Akira dans la première. Et ensuite, on vous fera une vidéo sur tous les films qui ont été passés pendant la nuit fantastique. On va taper 6 films pour vous. Ouais, voilà. Et on découpera ça en deux vidéos, histoire que ça soit pas trop indigeste. Je sais pas si on peut dire qu'on se sacrifie pour eux, vu quand même ce qu'on va aller voir. Vu le plaisir quand même qu'on va prendre, parce que je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'attends Raw Force d'une force. Oh, et vu l'Anchine The Movie aussi. Moi, j'attends The Editor. Je déconne, c'est les gros de la Il n'y en a que deux qui me semblent pas très intéressants, c'est Some Kind of Hate et We Are Monsters. Par contre, je pense qu'ils peuvent surprendre. J'espère, sont surpris. Bon, voilà. Bon, bah, on se retrouvera demain, comme d'habitude. Et d'ici là, wouche! 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 Wouche!